C'est parti pour le guide complet des défis briser la malédiction de Fortnite. Le premier défi va vous demander de participer à la chasse au lama occulte. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre la fin de la première zone. Donc dès que la deuxième zone va commencer, il y aura des lamas qui vont apparaître sur la map. Donc voilà, par exemple ici, j'ai un lama qui vient d'apparaître près de Shadis Tilt. Donc je vais tout simplement le pinguer et je vais aller le rejoindre. Ok, le lama que j'avais pingé a disparu, donc là je vois qu'il y en a 3 qui viennent d'apparaître à partir de la deuxième tempête. Donc il y en a une ici, un ici et un ici, donc je vais aller à celui-là parce que c'est le plus proche, donc c'est parti. Alors franchement, ils sont très voyants, donc là ce que vous allez faire c'est tout simplement le tuer. Et dès que vous l'aurez tué, ben là vous allez obtenir les pouvoirs et vous l'aurez tué une fois. Pour terminer le défi, vous allez devoir le tuer 3 fois au total. Le prochain défi va vous demander d'obtenir l'équation imaginaire violet ou la technique voodoo dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des lamas qui apparaissent aléatoirement sur la map, donc comme ici. Ensuite, quand vous avez trouvé un lama, vous cherchez une arme, bien entendu, parce que vous allez devoir le tuer. Alors faites attention parce que le lama disparaît après un certain laps de temps. Donc je vais essayer d'aller chercher un autre lama, mais ça va peut-être être compliqué. Voilà, dès que vous aurez tué un lama, vous allez pouvoir récupérer leur pouvoir. Donc vous avez le pouvoir équation imaginaire violet, donc voilà, ou vous avez le pouvoir technique voodoo. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir ces pouvoirs-là dans 3 parties différentes. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec l'équation imaginaire violet ou la technique voodoo. Donc la technique voodoo, c'est tout simplement cette arme-là. Et l'équation violet, c'est tout simplement cette arme-là. Donc c'est les armes spéciales, donc les pouvoirs spéciaux de Jujutsu Kaisen. Et pour les obtenir, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer les lamas qui apparaissent aléatoirement sur la map. Donc, par exemple, comme ici. Ensuite, quand vous avez ces pouvoirs-là, vous allez devoir infliger un total de 1250 de dégâts aux adversaires. Donc là, je vois un adversaire, j'essaie de lui infliger des dégâts. Voilà, parfait. Et dès que vous aurez infligé 1250 de dégâts aux adversaires, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de passer sous 3 ponts. Alors, les ponts, vous les voyez affichés sur la carte actuellement. Il y en a 5 au total. Donc là, ici, il y a un pont, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Je vais quand même essayer. Donc, faut vraiment aller. Ah, si, ça fonctionne aussi. Donc, en fait, ils sont même pas tous affichés sur la map parce que je suis en dessous d'un pont à Slappy Shore et ça fonctionne. Donc, dès que vous voyez un pont comme ceci, vous passez en dessous. Et dès que vous aurez passé en dessous de 3 ponts différents, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires avec un fusil d'assaut. Donc, vous cherchez un fusil d'assaut. Donc, je pense que ça fonctionnera aussi avec le fusil à tambour. Et ensuite, vous infligez des dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de visiter différents lieux-dits. Donc les lieux-dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez affichées actuellement. Donc Brutal Bastion, Shadistil, Cheki Kumpun, etc. Et pour valider le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de visiter 6 de ces villes. Donc dès que vous en aurez visité 6, ben là vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de participer à la fouille de 50 coffres ou 50 boîtes de munitions. Donc pour réaliser ce défi, soit vous fouillez 50 coffres, ou soit de vous fouiller 50 boîtes de munitions. Dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Code créateur SCF.